Prépare-toi, je pense. Prépare-toi. Non, mais à la base, il ne dit pas. Ça sert à rien. Vas-y, poste là. Non, c'est pas grave. Vas-y. Allez, vas-y, engage-toi. Allez, c'est positif déjà. On a effectivement l'idée, c'était de prendre un maximum de points sur les deux matchs qui arrivaient. C'est chose faite. Donc voilà, au travers deux belles performances quand même contre Saint-Pantaleon 3-1 puis la 4-0. Dans des conditions difficiles, ça c'est une évidence. Voilà, il a beaucoup plu, le terrain était très gras et puis l'idée de toute façon c'était d'attaquer, c'était de les mettre sous pression d'emblée pour éviter qu'ils prennent de la confiance parce que c'était une équipe qui était un peu dans le dur, un peu dans le doute ces derniers temps. C'est chose faite, on s'est rendu le match assez facile en ouvrant rapidement le score au bout de la 5e minute, 6e minute je crois. Donc voilà, après on a eu un petit passage difficile et puis on a été très efficace, voilà, très juste effectivement avec un jeu un peu plus direct que d'habitude. Même si on a vu des séquences quand même de jeu, des constructions qui ont été quand même plutôt intéressantes. Et puis après, voilà, sur la deuxième mi-temps, bon, ils nous ont poussé un peu plus, on a subi davantage. Et puis, voilà, tout en maîtrisant quand même assez bien les débats et puis sans grosse frayeur, quoi. Donc
c'est un bon match de notre part avec beaucoup de sérieux, beaucoup de maîtrise et c'est effectivement intéressant pour la suite. Ce résultat permet au club et à ton équipe surtout de basculer vers un bilan positif avec du coup une 5e victoire en 9 journées. Ouais, c'était important, c'est ce que j'avais dit, c'était important déjà de confirmer notre bonne prestation de la semaine dernière et c'était surtout aussi essentiel de, d'un moment donné d'arriver à creuser quelques écarts avec nos poursuivants, notamment contre Guéret parce que à l'heure actuelle on a 24 points, eux ils ont 12 points, donc c'est pas neutre, on commence à creuser des petits écarts, on est à la 9e journée, on a dépassé le tiers du championnat, donc c'est effectivement un bilan qui est positif et puis c'est notre 5e victoire de la saison, donc félicitations aux joueurs parce que après deux défaites consécutives lors des deux premières journées, on est avec un bilan plutôt intéressant et plutôt satisfaisant quand même.